de cet événement exceptionnel en faveur de Lanval et tous ses enfants malades. Nous n'avons pas pu être présents aujourd'hui car nous avons un match, mais on vous voulait laisser un petit mot. Félicitations à tous les artistes qui ont participé à ces projets. Les sapins, ils sont magnifiques. Bravo aussi à toutes les personnes qui ont organisé cette vente aux enchères. Pour vous les supporters, on espère que vous serez nombreux le mardi prochain à l'Alliance River pour participer à l'événement. Nous, on sera présents avec vous pour rencontrer et pour profiter. On est exclusivité, vous pouvez déjà voir le sapin décollé par nos joueurs. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire et aussi que vous serez nombreux à essayer de l'acheter. Issa Nissa. Bien évidemment d'aider la Fondation Laval puisque l'intégralité des fonds iront dans la Fondation Laval et pas dans notre fonds de dotation. Mais c'est plutôt que le GCNI soit une caisse de résonance dans cette soirée, attire le plus de monde possible et que ce soit un succès pour qu'on puisse continuer à aider les enfants qui se trouvent à Lanval. Cette opération s'inscrit également dans le cadre des 130 ans de la Fondation. Et effectivement, la presse a beaucoup relié un certain nombre d'événements et c'est vrai que ça vient clôturer cette année importante pour nous, 130 ans. On a duré 130 ans, certes parce que la sécurité sociale existe depuis 1947, mais bien avant, depuis 1888, grâce aux dons et legs des Azuréens. Jamais nous n'aurions duré aussi longtemps. Et si on veut encore durer, c'est grâce au soutien des partenaires. Alors, merci Benjamin, merci Jean-Pierre, merci surtout aux artistes. Et rendez-vous au 11 décembre. Ça fait la deuxième année qu'on participe tous ensemble. Et c'est vrai que chacun fait son travail personnel, bien sûr. Et en espérant que ça soit une réussite et que pour les enfants, il y ait beaucoup de cadeaux dans un sens.